Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, non pas sur Apex Legends. Aujourd'hui je vous présente un petit jeu auquel on a joué avec Gotha, Mika et Mystique. On a testé Supervive. Je vous ai donc live commentary la toute première game qu'on a fait pour vous présenter un peu le jeu et ce qui se passe quoi. Et ensuite, en deuxième partie, vous aurez une game complète, donc notre dernière game de la soirée, histoire de vous présenter un peu tout ça. Vous avez connu Battle Ride, c'est un peu dans le même style, donc c'est un Battle Royale. Et voilà quoi, vous allez voir, c'est au début un peu complexe à comprendre, mais vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, vous allez comprendre très très vite. Si jamais vous voulez tester, ça sera qu'en fin d'année, parce que la bêta ouverte sortira en fin d'année, en free-to-play je pense. J'avoue, j'ai pas plus d'informations que ça, mais logiquement, ça sera en free-to-play. Donc n'hésitez pas à le tester, honnête, on s'est vraiment bien amusé, on s'attendait à rien du tout, et au final, on a vraiment bien kiffé. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. On est parti, comme vous allez voir, vous allez dropper en fait tout simplement sur un endroit de la map. Donc vous avez, tout comme Fortnite, un ballon, tout comme Apex, un ballon. Premier teamfight qu'on a, c'est simple, là, faut pas prendre ça en compte. Teamfight bourbier, on connaissait pas le jeu, on sait pas ce qu'on fait. Vous voyez qu'il y a des marquages au sol, tout est un peu bourbier, donc un peu compliqué à comprendre. Pour présenter mon personnage, je joue un healer, donc c'est un petit lapin trop mignon en vrai qui peut heal tout simplement ses coéquipiers. Donc on n'est pas là pour faire des dégâts, on est vraiment là pour jouer un peu derrière, comme je viens de faire avec un petit Q-spell et heal mes coéquipiers. Mes trois autres teammates, donc Gotha est sur un sniper un peu, genre beaucoup de DPS. Sacha Mystique, pareil, il est sur un bruiseur un peu plus, donc un perso qui va être un peu plus corps à corps et va fumer les bugs. Et je crois, si je me trompe pas, que Mika est sur un tank. Petite chute, comme vous voyez, on peut tomber dans le vide. Je suis tombé comme une merde, ça arrive, c'est comme ça. On découvrait. Vous allez voir que là, par exemple, on est en train de détruire des petits mobs sur la map, quoi. Ça va nous permettre d'XP, mais aussi d'avoir des items pour améliorer nos personnages et avoir donc de l'avance sur les équipes adverses, bien sûr. Là, petite animation parce qu'on avait tué quelqu'un et on peut le finir, tout simplement, comme les exécutions sur Apex Legends, si vous voyez le truc. On est en train d'essayer d'ouvrir une cache, à peu près pareil qu'Apex, vous connaissez, il y a des endroits où il y a beaucoup de loot, il y a ça dans à peu près tous les Battle Royale, donc voilà quoi. On va être un peu surpris, on finit d'ouvrir. Qu'est-ce qui pop durant notre première game? On s'y attendait pas trop. Toute une squad qui nous attend à la sortie. Donc, petit fight bien géré, tout ça. Pareil, je vais rester derrière. Je vais essayer de heal. Donc, chaque personnage a, en gros, je dirais, une attaque de base. Donc, un clic gauche, un clic droit, c'est une seconde attaque, quoi. Et derrière, je dirais deux spells. Un spell, un ulti. Donc, tout comme Apex, hein, pareil, un ulti. Et un sort. Un sort, donc, bah, pareil qu'Apex, quoi, vous avez capté. Un sort normal. Mais en plus de ça, vous allez voir que je fais des dash quelquefois et c'est un sort du jeu. C'est histoire qu'il y ait de la mobilité sur les persos, etc. Vous pouvez dash. Donc moi, mon perso a deux dash. Il a aussi la particularité, vu que c'est un healer, de pouvoir, si jamais j'ai un ennemi, j'ai un allié qui est au sol, donc qui s'est fait knock, de pouvoir le prendre sur mes épaules et le réanimer tout en bougeant. Les autres personnages ne peuvent pas le faire. Les autres personnages devront se mettre sur la personne et tout simplement le revive. Donc, un gros point fort pour mon personnage. Après, je vais pas vous cacher, on a joué 5 heures au jeu, je crois, et je n'ai joué que ce personnage. J'ai testé l'autre healer, mais c'était vraiment pas mon délire. J'aime bien être un peu ce personnage soutien. Donc j'ai vraiment kiffé mon moment, moi. Là, on a eu un gros ulti de la part d'un des bugs en face, mais pareil, vous voyez, je heal Gotha, Gotha est bien. Derrière, on turn le fight, on est plutôt pas mal. On peut voler en dehors de la map, le but du jeu ça va être d'XP, d'aller chercher des ressources auprès de la map, etc. Donc sur les PNJ qu'on doit tuer, ensuite rencontrer les bugs contre qui on doit se fight, et bah tout simplement les battre quoi, histoire d'être les derniers en vie bien sûr. On peut réanimer ses alliés s'ils meurent, donc ils peuvent être knock et on peut les réa, mais si jamais ils sont knock et qu'ils se font finir, on peut aussi aller les réa sur... Bah genre des balises quoi, tout simplement. Wesh, il a dit pitié, arrêtez, arrêtons. C'est le feu, il a dit, allez, venons, la lune. Ah bah. Vous avez vu juste avant, petit quintuplé avec un perso soutien. Voilà, un peu de respect les gars, un peu de respect, ok. En vrai de vrai, c'était notre première game, on a vraiment tout ce qui fait le jeu. Gotha qui se suicide. Fallait limite test, on teste les choses. Mais Gotha qui se suicide, vous allez voir, on va res, tout ça, enfin voilà. Là, on découvrait, on n'avait pas fait nos touches, etc. Vous allez voir que la deuxième game, ça va être beaucoup plus fluide. Et on va vraiment bien prendre en compte le jeu, on va vraiment bien comprendre le jeu, quoi, en gros.
Kota est totalement mort là, comme vous allez voir, mais on est sur une zone où, bah voilà, c'est une balise de réapparition, donc je vais juste me mettre dessus, on va se faire cancel, mais je vais pouvoir le rez. C'est assez simple, pareil, à comprendre. Moi, je vais plus parler de mon personnage, parce que le leur, bah, un peu compliqué de se focus sur tout, donc focussez-vous vraiment sur mon personnage. En gros, mon R, c'est un gros heal, mon A, c'est un heal aussi, mon Z, enfin, mon clic droit, pardon, va slow une personne, et mon clic gauche, c'est des petits auto-attaques. Mon shift gauche, comme vous pouvez voir, c'est un premier dash, et ma ruée aérienne, c'est un deuxième dash en gros. Il suffit que je jump et que je dash, et je vais aller beaucoup plus loin. Là, vous allez me voir le faire probablement, peut-être. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il n'était pas folichon, mais vous avez capté, vous le verrez mieux dans les prochaines games. Je me fais knock, je vais probablement me faire raise, bien sûr, parce que j'ai vu la game. Donc, mon copain se fait knock aussi, on est deux à se faire knock. Mais Mystic, Gotha viennent me raise. Ils ont juste à être sur moi. Ils se mettent aux alentours. Et ça va commencer la réanimation. Donc, plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, il est obligé de rester sur moi. Quand mon personnage à moi, un de ses passifs, c'est de le prendre sur son dos. Et de pouvoir le raise dessus. On enchaîne. On arrive sur la fin de game. On est tous les quatre bien en vie, etc. Et là, le fight va se passer assez facilement. J'ai la couronne parce que je l'ai pris, tout simplement. Je vous dis, on connaissait rien du tout, mais comme vous voyez, à gauche, on a la map. Juste en dessous, on a les zones. Enfin, les moments de la map, c'est vraiment... si vous avez joué à Apex Legends, vous connaissez. De toute façon, vous remarquez que l'interface, c'est à peu près le même. C'est pas du tout le même jeu, hein. De toute façon, vous le voyez. Mais l'interface, c'est à peu près la même, donc vous allez comprendre assez rapidement. On a aussi des pads qu'on peut mettre au sol. Tous les petits signes que vous voyez par terre, là, les petits trucs en mode les cibles... Bah en fait, on ne l'a compris qu'à la fin, c'est nous, on a des graffitis et bah malheureusement, on a oublié de faire nos binds à ce moment-là, donc on ne savait pas que c'est ça. Mais prenez pas en compte le truc, on a compris ça que super tard. Vous voyez, là, on a le petit jump, donc vous avez un timing pour le planeur, vous pouvez pas planer en permanence. Si jamais vous êtes dans les airs et qu'on vous met une balle, vous tombez directement et vous mourrez, c'est ce qui vient de se passer et on remporte notre première victoire sur Supervive. Maintenant, moi, c'est simple, vous allez voir, on a un petit récapitulatif, 11 KO, donc on est deuxième de la game avec pas mal de kills. Sacha, qui est un perso qui fait beaucoup de dégâts, lui, bah, malheureusement, n'a pas fait il a fait autant de dégâts que moi, donc un peu nul, mais on en a bien rigolé, on a beaucoup rigolé durant cette soirée. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Maintenant, vous allez voir la dernière game de la soirée. Aussi une bonne game, n'hésitez pas à checker. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît un peu ce genre de contenu où je vous propose ce petit jeu, tout ça, où je vous montre un peu, je vous fais découvrir le jeu tout simplement et j'essaye un peu de parler dessus. C'est un peu une première pour moi et un peu complexe, mais on fait avec ce qu'on a. Donc je vous laisse, bonne vidéo tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, me dire si vous attendez le jeu, si vous avez kiffé voir ça, et voilà. Ah ouais, le boss ça me prend mal, quoi. À côté de moi, là. On est tous en train de se battre. On arrive, on a bien tout fini. On aura des spells en... Premier sort. Ok, je suis prêt, moi. Vous avez pris niveau 2 ? La moitié de cette squad ennemie est à terre. Faut focus celui-là, le healer. Le healer, il est outpost le healer. Voilà. Elle est parfaite. Mais force mon gars, ouais. Pour moi, drôle moi. Encore sur moi. Je vais mourir. Oh, t'inquiète. Je vais l'empêcher de rester lui. Je monte pas parce que sinon je suis mort. Il n'y a qu'un survivant dans cette espèce. Oh là là, les gars, on est niveau 4. Ouais, j'ai une clé rouge. Un truc au-dessus ? C'est quoi ici, non ? Je sais pas du tout. Allez, go, venez. Y'a qui commence à faire ? J'ai une auto, j'ai une arme auto. Attends, c'est quoi ? Vas-y, rappe-moi, je fais. On a combien de gold? Moi j'ai 5000 là, j'ai 5000. Ouais. Ah, on peut déjà acheter le génique. Ouais, et c'est là-haut on peut l'acheter, j'ai tag. Ah ouais, ok, c'est pour ça que ça grandit. Ah là, vous avez pas grandi au bon moment, l'équipe.
Mais ça la gaz ça ou quoi? Je laisse l'eau. Il y a un mec qui est là, il est late, un qui est. Un mort. Il est en train de le reste, ok il reste pas. Regarde Mika, regarde, je l'ai Joe. T'inquiète, je le reste. La moitié de notre squad est à terre. Je vais me prendre la clé. Allié hors de combat. Oh je suis mort. Comment ça t'es mort? Mais je sais pas, j'ai pris un petit coup. J'ai plus de mana. Il y en a, j'en ai dans les gars. Il est mort, lui. Il m'aggrappe, mais il vient de le coup. Nice, voilà. Ah, oh, il y a un ralenti quand on wipe une team. Ouais, ils nous ont fait un grand mort. Il y a quelqu'un qui peut raise là-haut. Je suis en train de te raise en même temps que je raise. Ouais, je crois. Ah, les gars, on va finir la porte. Laisse faire les shields dorés. C'est quoi ça? Tu viens prendre un shield doré. Vous êtes les plus importants du duo et. Vas-y, go try hard game. Ramasser L. C'est quoi les L? Tiens, à qui Frantin? Je pense que c'est bien pour toi. Ça t'enlève tous les CC et tout. Oh ouais mais ça en actif c'est dur hein. Là tu me demandes de faire un truc dur. Ouais c'est un zonia quoi. Ouais mais frère ouais. Mais bon on fait un effort là. J'ai plus de mana moi là. Là on peut aller acheter le truc les gars hein. Have the healer tu vois. Vous vous élevez dans les airs ainsi que vos alliés. Vas-y je donne ma thune, tenez. Ouais ça a pas l'air ouf hein. Comment tu drops? Ah oui comme ça. T'as fait une balise. J'ai donné 250. Mais au moins avec ça c'est sûr on peut disengage de malade. Donnez aussi moi ma thune. Je sais pas comment on donne la thune. Clique sur la thune en bas à gauche. Et ma thune en bas à gauche, je sais pas qui a pris la thune mais. Eh ben sa vie hein. Moi je pense que c'est le healer qui doit l'acheter. S'il se fait focus comme ça il s'envoie. Ouais après là deux items où je dois appuyer en plus les gars et. Je crois, hein. Attends je vais tester. Wow, c'est stylé. Ah y'a une range, ok. En vrai je pense ouais, faut que... Ou Coco ou toi Missan, en vrai. Ou sinon tu... Oh tu peux engage comme ça, comme un monstre. Par contre on a vraiment pas d'items, moi il me faut des items pour mon mana là. Ah mais moi j'ai... Ah la bonne clé je pense. J'ai une clé. On est bien là en vrai. On est pas mal, bah il nous manque juste des... Des items. Des dégâts là. Et il va où lui? Là. C'est ça. J'ai mon sac qui est bleu, mais j'ai amélioré deux fois mon... Oh j'ai mon arme qui est violette. Pensez à améliorer vos items hein. T'as rien parce qu'on a pas d'item, c'est pour ça que j'attends en améliorer. Non, je peux améliorer mon sac, mais c'est même. Ah, ça fait. J'ai amélioré ma dague, elle est à fond. T'as enchaîné là, hein. La dague, elle fait quoi? Ouais, je me déplace plus vite et je fais plus de dégâts, ok. Ah ok, après il t'en faut de plus en plus pour... Ouais, pour level up, bah oui. Ouais, je vais voir. C'est ça l'âme technique. Ouais ça crache des... Ça ce poder c'est pas mal. Ah c'est pas mal attends. T'avais un contact et... Ça demande pouvoir ça quoi. Ah bah ça a remonté les...
tente la porte. Bah, vous faites pas les trucs, hein. C'est tout petit. Bah, y'a rien. Bah, y'a rien. En vrai, je vois rien, hein. Et sans vous. Ah, oui, c'est là. Heureusement que c'est un crack, hein. Non. Voilà. Ah, ouais, j'en ai un des plein du coup. Ah, là, elles sont bien grosses, là. Chambre forte, forcée. Galvanisation, c'est quoi? Moi j'ai pas vu s'il y a des trucs cool. Y'a un grab là, si quelqu'un joue assassin. Ok. Oh putain! Ok, mais. Mon clic droit, si je le mets sur un mur. Oh. Si je colle ça sur un mur, ça fait un truc conique. Oh yes, moi je suis. Ouais, il reste que deux teams là. Ouais, quand on est devenu des. Bah, par contre, là j'ai du bon stuff et mon truc il est violet quoi. Il est rouge. Oh, le truc rouge t'es bien. Le rouge est légendaire. Ah, moi j'ai que le violet. C'est quoi lui? Ça a pas pris tout le monde. Je crois qu'il faut vraiment que tout le monde soit à côté. Oh les gars, je me suis fait sniper. Oh, attends, mais est-ce que t'as réparé où là? Ah, t'es là. Ah non, c'est pas toi. C'est derrière. Prenez son chien. En fait, ça m'a fait passer au-dessus des TP, du coup, le truc. J'aime pas ce thème, les gars. Si vous voulez le prendre. Ils sont à deux doigts de te loot les bugs. J'ai déjà cliqué. Bon, on va vers mid zone. Bon, on va dans la safe zone. Hein. Salut les copains. Comme pour la paix. La violence entraînera des conséquences. Tu peux raise alors? Parfois une clé. Notre drone est activé. Il y a tout. Un petit drone, attends, on les. Ah, ils sont là, venons, on va les jouer, venons, on va les jouer. Dans où? À droite. Ouais. Ok. Oh, il y avait le camp, il y avait le train, putain. Ok, mais t'as un double dash. Attends, ils l'ont déjà fait. Ils sont autour, ah, ils sont là. Ouais, ils sont là. Au-dessus, tu peux nous propulser ou pas? Au-dessus. Ouais. J'ouvre le coffre sur moi, les gars. Ah, bah, tu t'es fait cancel, non? Ouais. Oh, il ouvre le coffre, au-dessus. Oh, mais il m'a mis une balle random. La moitié de l'initiative. Bon, bah, au moins, c'était cool. Oh, ouais. Oh, oui, vas-y, fuis. Il tirait même pas sur moi, je l'ai mangé. Moi j'ai pris la balle aussi. Tu peux réparer ici. Il y a fait un mec là. Ouais, j'entends surtout qu'ils sont derrière moi quoi. Tu peux réparer ici. Je mais je suis pas payé moi. La violence est autorisée jusqu'à leur retour. Oh, t'es pas à côté de mec là? Y'a que Coco qui a payé les refs. Moi j'entends ensemble deux fois pour moi. J'ai sous cette bête. Oh, le mob il en voulait, il voulait en découdre. Oh! C'est quoi ça ici? Bah de rien! Vous êtes intéressé à CRS? Bah ouais! Bah les gars, je suis juste giga lando quoi, je suis à l'oubli. Quoi ça? J'ai l'oubli. Y'a un truc de shield de bleu ici. Je comprends pas, ok. Moi non plus. Vous me rejoignez, on fait quoi là? Ah attends! Shield de bleu ici? Non, bah non, je comprends pas. Comment va? T'es où toi? Ah t'es tellement loin. Ah TP non? Attends, nous la base. T'es à une base là ou pas? Bah, on peut TP quelque part donc. Non non oui mais on va revenir au spawn qui sera dans le gaz frère. Ouais c'est dans le gaz. Ouais c'est dans le gaz. Toujours les smart calls toi Nissan. Ouais faut qu'on passe level 8. Pas loin de moi. Attends on la voit où notre base? Je la vois même pas. Tempête en approche. Go, 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 on va les faire. Ouais, je pense pas.
Ah mais en vrai j'ai toujours mes armes améliorées, ça va moi. On se rejoint sur le res. Ah ouais, on a gardé nos items, comment ça se fait? Ah parce que là on jouerait pas avec, vraiment pas avec lui hein. Ils sont là, il va pas vers nous. Quoi? Wesh, pourquoi je me vois en double? Mais moi aussi, y'a moi, y'a mon jumeau. C'est mon jumeau maléfique. Non mais c'est les pings que vous avez mis non? Non, c'est le spell d'Ambug. C'est quoi ça, attends? Oh, c'est Zozo. Un monstre majeur est à l'arrivée. En train de faire un buff là. Ouais. Oh, y'a la zone de merde, les gars, faut bouger. Pas finir, non, pas finir, pas. Go bouger, go bouger. Viens, on va faire le G là. Viens, viens. Non, on fait le boss. Y'a les mecs qui commencent à venir là. Attends, ils sont en train de le faire, est-ce qu'on peut leur voler? C'est une des dernières teams. On est en fait avec Coco hein. Peut-être Revox, c'est un battle royale les gars. Ils ont cancel, ils font le tour au-dessus, regardez. Ah y'a les deux teams, y'a les deux teams, faites gaffe. Y'a les deux teams. La team juste en bas de nous et une team qui... Oh. Qui bat. Derrière, dans faut le finir, il paraît, je finis. Ah, il m'a propulsé, ouais, bon dégâts. Monstre majeur éliminé. On a pas d'esprit, non? On nous l'a volé, non? Oh non, on l'a éliminé. Non, on passe par là-haut. Hein. Ça fait quoi ça? C'est grave? Bah, mon heal là. Oh, ça va pas grave. Ça fait quoi ça? Ouais. Ça connaît pas Coco pour sa TN. Ah, ils sont là. Fais gaffe la zone. Un grave. C'est heal. Touché. Pas pas. Y'a deux teams là. Y'a l'autre. Sur moi les gars. La tempête approche. C'est grave. Ok, go lui. La moitié de l'espoir ennemi est à terre. Faut le finir, finissez-le. Et après je vous donne les trucs après. Ouais, il m'a stun dans le truc. Madame. Il n'y a qu'un survivant dans cette escouade. La zone. Ça va prendre l'XP là. T'es niveau 9, tu fais encore. Notre drone est activé. Ah non, je sais pas. C'est un mec solo là en bas. Ouais, ouais, vu comment la zone est petite. Et tout seul. Mon poteau. Oh mon mana il remonte tellement pas vite. Là en face. Ouais, moi non plus. Il me faut un item de mana. C'est bleu là. Et vous prenez pas les bleus. Ah ils sont plusieurs hein. C'est la team complète ça, c'est l'autre team, faites gaffe. Ça vaut pas. Go sur un camp les gars, mais c'est que ça sur le camp à côté. J'ai besoin de... Aïe. Où là hein? Mais où tu nous emmènes? Mais c'est fermé. Attends, mais je suis en QWERTY là, ça m'a remis en QWERTY. Voilà, c'est bon. T'es en train d'altab. Wesh, tu l'as énervé ça. Sacha, il est. Il est zap, mon lanteur. Venez, on va à droite, on va dans la zone, les gars. On peut faire. Bah en fait faut... Là, faut une base les gars pour pas mal. En fait y'a pas de base ici. Bouquet final. C'est quoi en haut? On est en... On est en... Go camp là, go camp là. La zone elle va... Le camp il va être dans la zone. On est en squad contre squad. Ça bouge. On y va vite, on répare vite, magnifique. C'est dans la... Ah oui ok, ça va push, ok. Je vais prendre le drone. Notre drone est activé. Ils arrivent. Les mecs arrivent tellement vite. Ah c'est toi en fait. Ah ils arrivent aussi. Ah ouais là c'est 500 pièces mais parce que je suis bleu peut-être.
c'est fin de zone genre. Ok les gars, on leur montre la puissance. On grab 1 en mode surprise, c'est win. C'est dans le bush. Vas-y, on leur fait un trap au pire. Hein. Ouais, vas-y, bait. Ah, y'a la zone à l'avancée. Oh putain! Oh bah, il en a grab 1. On y va, on rentre dedans, les gars. Sur quota. Un knock. Ah, je suis mort. Je me fais full TP. Donc, quoi, t'es le meilleur, c'est ton moment. Derrière nous. Je vais. Bah, franchement, on a tellement step up par contre entre le début et. Ah, le perso grab, c'est dur hein, en vrai. Hein. Ouais, les grabs sont pas évidents parce qu'ils sont pas instant quoi. Il y a beaucoup de travel time et. Ouais, en fait, ils sont moins. Toujours premier en heal. Ouais. Ouais, mais en gros, tu dois le grab quoi.